Oui, alors je crois que la place et le rôle de la télévision, et notamment de la télévision publique, est au cœur effectivement de la question démocratique. C'est-à-dire que les plus hautes autorités, aussi bien nationales, françaises qu'européennes, définissent toujours le rôle de la télévision, et en particulier de la télévision publique, par rapport à des enjeux démocratiques. Réforme en Argentine, qu'en effet, dans un processus démocratique, la question de la place de la télévision, et en particulier de la place des chaînes publiques, de la télévision publique, est une question fondamentale. Pensons-nous, dans les démocraties libérales, que la télévision recouvre des enjeux culturels, des enjeux éducatifs, et que ces enjeux culturels et éducatifs qui participent de la représentation du monde par les gens, à partir en effet de ces enjeux, on peut s'interroger sur la place qui est faite à la télévision publique, c'est-à-dire quelle mission est-ce qu'on lui donne, combien de chaînes seront publiques par rapport aux chaînes privées, quelle est la place de la culture nationale par rapport aux télévisions étrangères, etc.